Et t'en as un autre, c'est marqué Secure Map Mode en haut de ta map. C'est celle-là que tu dois utiliser en stream. Alors, ok, donc sauf pour. Okay. Tu peux le voir directement dans le home. Enfin, dans okay, le home. Alors. Le home région. Attends, c'est où qu'on voit. Attends, on va voir. Alors, map sécurisée, c'est où? Alors, c'est où sur la map? Des options, Pierre. Ouais, t'as raison, options. Keyboard. Ils appellent ça comment les Ah, on a repris Relica. Ils appellent ça comment les spells. Les options. Ouais, dans les options, ils appellent ça quoi? Quoi? Keyboard. Non, mais l'option pour la map. La dite map c'est posé. Secure map mode. Secure map. Ouais. Secure map, c'est N. Ok, M ça donne ça et N. Voilà, ils sont bloqués à base à cri, putain. Ok. Bon bah, je peux lancer là, j'imagine. Je vais appuyer sur la touche N. Ouais, en plus il y a du monde à l'arrière. Oh là 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 là, mais quel porteur. Quel choix du bordel. L'uniforme des Wardens, c'est bien bleu, hein, c'est ça? Oui, c'est bleu. Ouais, c'est ça. Alors, The Colonial and Warden engaged, nanana. Ok. Attends, et c'est quoi les points de victoire ville? C'est les trucs qui clignotent sur le front, c'est ça? Non, ça, c'est les spawns possibles, là où il y a du fight, d'ailleurs. C'est les zones de front. Ah, d'accord. Et du coup, c'est quoi? C'est où? T'es où, là, déjà? Moi j'ai pas spawn encore, là je suis encore dans la home région. Mais si tu veux faire de la logis, faut aller à l'arrière. Faut aller à l'arrière. À l'arrière. Peut-être que Rushing Trail. Je pense que je vais faire de la logis genre plutôt vers dans les régions Rushing Trail, The Moor, Stone Cradle. The Moor et. C'est pour aller ravitailler l'ouest, clairement. Ah oui d'accord, je vois. Mais non, en vrai, ça va, on a même avancé dans l'ouest, non? Attends. Je vais regarder la map qu'on avait, mais. Putain, mais peut-être pas. Il me semble qu'on a même avancé dans l'est. On a avancé dans l'est, même là. Ouais, c'est ça, on a même. Attends. Non, on a reculé depuis, hein. Depuis le début de la journée. Hein. Ah ouais, ouais. Il m'a l'air un peu stabilisé depuis. Hein. Ouais, le circuit est d'une case. C'est reculé d'une case, mais c'est avancé d'une autre case. Donc non, il a stagné en fait à l'ouest. À un moment, ils avaient passé, ils étaient à The Idol, les colos. Et on a réussi à les repousser apparemment jusqu'à Relica. Donc, tant mieux. Mais du coup, quand tu fais créer, quand tu commences à créer ta chaîne de production pour par exemple avoir ton propre char, vu qu'il te faut plusieurs jours, il devient quoi ton char le temps que tu le fasses? En gros, ce qui est long, c'est de farmer le component et le raffiner. Après. Ouais, mais genre, vu que t'as pas d'inventaire entre guillemets propre. Alors, il y en a apparemment pour les squads, mais sinon, soit tu plonges des camions, mais je te conseille pas, c'est chiant, ça casse les couilles de tout le monde de faire ça. Et puis il y a déjà assez de chars de fait. Il faut faire des munitions, c'est surtout ça. Ouais, mais par exemple, pour notre opération casse-noisette. Ah, mais tu peux pas emmener un char là-haut. Oui, mais non, mais l'idée est là, quoi. Comment on fait pour entre les cacher nos ressources, pour préparer le truc, quoi. Quand on y va en camion, les ressources, tu les fous dedans. Tu fous les ressources dans des camions, on part en barge, hein, limite. Ouais, mais il veut dire, faut pas justement préparer les ressources, mais le temps qu'on les prépare, les ressources, comment on va faire pour pas qu'elles se fassent prendre? Ah, mais non, mais ça, mec, on fait ça samedi après. Tu fais ça samedi après, tu farmes la ressource, ça prend 3 secondes. Ah, c'est quoi? Ça va prendre 2, 3 heures à farmer des ressources pour faire 2 camions. Ou au pire, on prend dans les. Tu prends dans les. Dans les encampements qu'il y a déjà. Ou les stockages, on s'en fout.
C'est vrai. Ah bah tout farmer, y a mec, il y a des du bisbad partout. C'est vrai. Du coup, Et ouais, du coup, je sinon pense qu'en à vrai, je vais gros faire niveau. de l'infiltration pour. Mais ça sert à rien de farmer maintenant, si tu veux. Enfin, ça Après, sert à je de pense farmer que je vais maintenant surtout pour faire, l'hiver. je pense que comme dit, je vais surtout faire de l'infiltration pour faire l'arco sur les emplacements possibles de l'opération Casmozette. Alors, si tu veux, il y a un endroit qui est bien pour poser une base. Ce serait de passer derrière Koff Tery. Tu vois Koff Tery Channel dans le sud de Hornbreaker Isles. En dessous de Integrum. Attends, dans quelle région? Dans quelle région Tout à l'ouest, Ah celle du oui, je nord, vois. et le sud de cette région. Un Coftory gros Channel? lagon marron. Juste en dessous, il n'y a rien. Ah bah c'était pas justement les endroits que j'avais indiqués sur la map. Non, toi t'avais mis un peu plus à l'est, mais genre là il n'y a rien, il n'y a aucun intérêt pour personne d'y aller. Y a pas une montagne plutôt? C'est une montagne, mais juste à côté il n'y a rien. Ah d'accord. Pour y être allé et avoir volé un camion dans le coin, il n'y a rien. Bonsoir. Sinon après, mais c'est chiant parce qu'il faut passer les ponts, on peut se poser sur une île, genre The Dirk ou... Attendez, on m'entend? Oui, on t'entend, on Oui. t'entend. Ouais, mais après, genre, se poser sur une île, c'est-à-dire. Bah genre les petites îles qui sont où il n'y a rien dessus en fait. Ouais, mais ça va pas être chiant de genre débarquer, enfin débarquer de là, réembarquer avec un bâtal. Bah c'est pas... C'est le principe. Alors, je me Faut déploie que tu sois où? chiant aussi pour l'eau, pour éviter qu'on se fasse choper. Personnellement, je pense que je vais aller un peu en logis, voir ce que ça donne du côté de Malron, je dois voir comment ça se passe. Après, je vais Va voir pour faire un faire petit du spawn partisanat. dans le nord. Après, j'irai faire du partisanat dans les Ok, trucs. foncier. Va à Brodytown dans le nord. Nice. Ah, on a perdu Ok, un Posterus. ferry. Ok, ouais, Il y mais a on a une unité. repris jusqu'à Ouais. Mersteri. Reliquat. Ah, ouais, voilà, Reliquat. Ils sont dans la ville, dans la région coloniale là. Mais je pense qu'ils font surtout de l'escarmouche. Alors, une clé. Voilà, une wedge, merci. Tiens, d'ailleurs, prends une sledge. T'as spawn où toi? T'as spawn où? Brodytown, dans le nord, Hunting Trail. D'accord. Travail in progress. Oh putain, non, mais pourquoi ils foutent des obus? Genre, il y a 125 obus de mortier à Hunting Trail. Il y a plein de trucs que ce qu'ils devraient être au front, je comprends pas. Juste hop. Pour C'est fermer. le logique de la mort. Voilà, alors. Oui, donc. Oui, donc tu veux que je prenne quoi? Attends, faut aller chercher le camion. Une branche. C'est toujours Une ok. wench, Bon, ben je suis à. Putain. Je suis à dans la Attends. zone coloniale de Drowned Bon, Vale. bah attends, je vais devoir attendre une minute. Il y a un mec qui m'a écrasé. Je Quel fais un drone. aguerria. Bisous. Ok. Ça, c'est où Drone? Ah oui, d'accord. Drone Veil, qui okay, je vois. Je vois, je vois. Les bains, hein. Comment? Non, je regardais qu'il y avait une île qui s'appelait Les Bains. Non, mais j'aime bien. J'ai regardé, notre map c'est pas la même, donc c'est une map aléatoire à peu près. Du Alors nous coup, le vous allez 30, où? C'est une map aléatoire carrément? c'est pas toujours une map aléatoire. Enfin, vous allez où, vous? Vous Nous, allez... on est à l'arrière, on fait enfin, je vais faire de la podologie avec ma Vous lance. faites pas de guérilla? Non, non. Non, c'est pas pour tout de suite l'OP. L'OP. Ce sera pour apparemment samedi, vu que tout le monde a l'air d'être chaud pour le jour-là. Mais non! Mais non! Mais putain! Quoi? Oh, fais chier. Il m'a foutu dans un truc qui est pas là où je voulais aller. Vas-y. Pas tenir Brodytown, c'est abruti. Je suis dans une ville un petit peu au sud. Enfin, un peu plus au sud. T'es où plus au sud? Elkford ou je sais plus quoi. Elford. Le mec, si c'est Ah pas. oui, Ah, d'accord. tiens, attends, je peux regarder s'il y avait des sledges.
Elkford. Encore par là? Ouais, par là. Non, mais cherche un camion plutôt. Non, y a pas. Mais c'est horripilant le stuff qu'il y a dans les eaux. C'est horripilant. Attends, mais t'as rejoint notre escouade, Chef? Non. Ah, elle était fermée. Ah, bah c'est... Ah, oui, bah attends, elle s'appelle comment déjà, l'escouade? Beau lapin. Lapin, lapin... Beau lapin. Non, c'est pas lapin, c'est beau lapin. Ah bah... Non, mais c'est... Pourquoi t'es plus là? Pour te retrouver. Alors, beau lapin, Bismet. Là, je me fais tirer dessus par les bâtiments de ces morts là. Ah ouais, non, mais ça c'est l'enfer. Putain, je trouve pas les beaux lapins. C'est connerie. Ah, d'ailleurs, ça se passe comment? Ça, c'est quoi? Une usine? Non, c'est les techs. Ah, bah, tout a été ouvert, ok. Il manque plus que le dernier tank. Le temps que j'y suis, j'ai un peu renommé le live. Vu que c'est pas tout à fait une réparation pour le plan casse-noisette. Oxford découverte. Non, juste Foxhall, je pense, comme type. Foxhall. 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 La merde. Les alligators en charge. On pourra faire du kamikaze. Alligator. Ouais, il y a des sacs explosifs. J'imagine que lui... Ouais non, s'il est dans la raffinerie, j'espère. Il est fermé, voilà. Alors, où est-ce qu'il y a? À la limite, je me mets sur le pont et j'attends qu'ils arrivent. Ouais, je me mets en bas du pont. Ouais, ah, mais il n'y a pas de pont. Ah, mais c'est déjà un truc miné. On reste au milieu de la route. Ah, mais là, il y a mon stuff. Ah, d'accord. Oh, quel bordel. Et voilà. Ça bouge tellement vite les trucs. Alors, viens là. Ah merde. Attends. Non, va de l'autre côté. Il est plus comme tard. Ouais, on s'en fout, il est vide. Le mec qui m'a suivi. Alors, voyons voir si on a pas un deuxième, comme ça on pourra faire plus. Putain, join squad, voilà. Request. Je vais casser une game. Yes. Ah, nice. Mais du coup, t'es le leader de la squad? Ouais, t'es dans une squad. Ah mais tu es le leader de l'escouade du coup toi? Non, ça change tout le temps. Tiens, ah mais d'accord. Je vais prendre le deuxième. Le deuxième Kemptar? Ouais. S'il est pas là, ouais. Donc du coup maintenant faut trouver le truc de chargement comme j'ai. Oh mais quel bordel. Les gens qui savent pas comment tu viens. Ouais, je vais voir si j'ai pas sur mes bouts d'apport. Ta mère, mon phone, j'ai fait tomber mon phone. Attends, ça va être un truc pour toi. Ça va être chiant.
J'ai pas fait gaffe, t'es parti où? Pour l'instant, je te cherche une truc de cargaison. Ok. Je sais pas où est-ce qu'il y en a. Quoi? J'ai beaucoup marre, t'es chiant. Ah, tu t'es mort, écrasé? Tu vois le storage sur la map? Le storage? Ouais. Factory, mass production, engineer, factory. À l'est de la ville. Salvage mine? Non, non, storage. C'est dans la map sécurisée ou pas? Ouais, je crois. Attends, t'es où? Au carrefour. Ah bah t'es juste là. Juste là. Ok, fais demi-tour. J'ai une là, fais demi-tour. Regarde ce qu'on ok, attends. Attends, viens, viens, continue le recul. Gauche. Mets-toi là où je suis. Parfait. Laisse-moi quelques temps, je te charge un conteneur. Ok. Voilà. L'Europe. Mais putain, c'est qui l'enculé? Qui est parti Il avec ton était cam? pas cage. Salaud. C'est chiant. Faut trouver un endroit où il y a des sledges. Ça va être chiant de faire mon marteau. Ah d'accord, le jeu est bien tolérant sur le placement de du truc. Oh, on s'en fout, ça va tout changer. Il est. T'as beaucoup de carburant? De carburant, alors. Tab, ouais, non, c'est pas tab. Gauche. En haut à gauche, c'est déjà affiché. Ah, en gauche? Ah bah j'ai un quart. Bah va à côté du camion citerne. Camion citerne en bas là? Celui qui est à côté de moi. Côté de toi, je vois pas. À gauche. Faut que j'aille à pied. Non, non, mais non, mais tu restes à ton camion. Attends. Avance vers la gauche. Stop. Ah, d'accord. C'est bon, j'ai fait le plan. Ah, ça se sent automatiquement. Ouah, la base! Cette base! Quoi, quelle base? Mais elle est magnifique! Avance et va à gauche. Mais attends, gauche. Magnifique cette base. Une base avancée, alliée ou ennemie? La base de The Speed Rock. Je suis les premières à droite. The Speed Rock, c'est magnifique, hein, ce qu'ils ont fait. Donc là? Non, après. Non, si c'est là aussi. C'est là, c'est là, c'est là. Je veux savoir. C'est chiant de ça. Ouais.
Prenons une flèche. Tu veux quitter le véhicule, j'imagine. Bah oui. Alors... Marteau, donc. Non. Donc attendez, vous êtes où? Ouais, le sledge. Le sledge, je sais où ça, merde. Non, 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 non. Non, 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 c'est le marteau. Non, nous, on est à Brody Town. Tu prends un sledge, et tu fous le marteau. Attends, c'est différent d'un marteau, le sledge? Ah oui, d'accord. D'accord. C'est fait pour farm. Brody Town. Tout au nord, Origin Train. Brody Town. Ah ouais, mais c'est méga loin. Ouais. Oui, on est en logis. Ouais, bon, bah, je vais essayer d'arriver. Vas-y, y'a plus rien. Pourquoi du soufre dans le coin? Ça va, y'a rien. Putain, mais y'a plus rien. C'est farmé de ouf. Ah ouais. Mais tu vois où les ressources en fait, du coup? Sur la map, tu vois les champs. Putain, je pensais farmer du soufre. Souffle. Je vois qu'une map de souffle. Structure. Ah oui, d'accord, non, d'accord. C'est en fait les ressources, c'est les. Mais du soufre là. Il y a un champ de soufre, il est deux zones plus loin. C'est l'enfer. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Alors, on va sur quel front ce soir? Il y a Berlus qui fait du partisan. Ah non, non, je fais pas du partisan, non, non. Non, bah du coup je suis revenu parce que ça a pas bien marché. En fait. Ah, ça y est, ils ont percé Lockhead, je crois. Ah. Oh yes! Oh, c'est beau! Quoi? Enfin, enfin! Le pont enfin, de Lockhead? Ouais. Ouais, il était temps que ça perce. Hein. Bon, après, ça veut... ils ont passé le pont de Lockhead. Lockhead. En parlant, si on merde, c'est qu'il y a Saltwatch derrière. Vous êtes où, les gars? Alors... On est dans le Grand Nord et on va partir autre part, enfin, sinon on s'en fout... Bah je me spawn où, quoi? Tu peux spawn... Tu peux spawn... Si tu veux, à Sanctum? Suis-moi, ça va être long, mais on n'a pas le choix. Sanctum ou okay. Brody Town, vu qu'ils sont là-bas. Demi-tour. On fait Logi, en fait. Brody Town, c'est tout au nord, et Sanctum... vers le milieu. Oh, Titan, ok, j'ai trouvé. Et toi, t'es où, Perlion? Sanctum. C'est au milieu. C'est dans l'hexagone de Marban Hollow. Ah, ok, ok. Sanctum. Et à quoi ça sert d'être dans la même escouade et au final, je peux pas voir où est-ce que vous êtes? En quoi? On voit pas les membres de l'escouade sur la map. Mais c'est pourquoi du coup pour, le réalisme. Le réalisme. Ah putain, les gens qui servent pas à leur droite, sérieux, qu'est-ce que c'est? C'est bon, je suis à Sanctum. Ok, alors je suis en camion, j'arrive. Sors à droite, sinon tu vas prendre tous les camions en face. Je suis pas très. J'en doute pas. Je me prends un rifle. Vous avez une radio? Non. Non. Pas besoin pour. Ça pète encore, si vous avez tout ça. Donc je vais en prendre une. Puis bon, tu dis que c'est pas très passionnant la partie logi, mais je te rappelle qu'il y a des jeux tels que Factorio qui existent et le but du jeu c'est juste de farmer des ressources. Ouais, je sais. Ouais. Oula, t'es bien blessé toi. Ouais, je me suis pris 4. Ah d'accord, rouler sur la route ne nous fait avancer plus vite. Ouais, tu m'as pris sur la route. Là on se rejoint où? Bah là on va dans le Grand Nord à la limite parce qu'ils y sont donc pourquoi pas y aller. Mais on devait pas aller faire une attaque ou un partisan ou quoi comme? Non apparemment c'est samedi. Et du coup là on va faire quoi? Ouais. Ouais, mais si tu veux, je peux t'amener au fond après. Ah oui, d'ailleurs, vous deux, votez pour le plan, la zone de plan d'attaque pour le truc.
comme ça, on ira entre guillemets peaufiner le plan d'attaque samedi justement. Certains droits de chasse. Tu veux que je te dépose quelque part, Fab? Et pense à Lock Camion si tu veux pas qu'on te vole. C'est comment pour Lock? Elle. Moi, je fais bien aller avec Zachary, okay. Mais c'est loin. Ouais, c'est loin. Droite, parce que moi après j'allais les rejoindre à l'arrière pour farmer. Hein, Ah bah y'a rien à farmer là, je peux te dire. Asti, tu peux prendre un. Tu peux aller voir dans les mines, genre si y a des citernes à récupérer. Y'a plein de carburant à récupérer. En fait, du coup, le problème, je pense, va venir du fait qu'on n'a pas beaucoup de tireurs talentueux. Ou sinon, t'es pose-moi en bas, y a un territoire qui est en train de se faire. Perdre. Ah bah non, on l'a pris. On vient de le prendre, le truc, ok. Vas-y, je t'y amène. Oh, putain. S'il y a rien à farmer là-haut, de toute façon, ça sert à rien que je passe en bas. Ouais. Ben, que je vienne là-haut. Il y en a pas mal des camions d'ailleurs. Ah mais du coup en fait si on débute notre expédition à peu près de là, on voit niveau camion, on aurait moyen de récupérer pas mal de trucs en fait. Parce qu'à la limite Fab, je viens avec toi. Bah de toute façon on sera obligé de partir là. S'il y a rien, ouais. S'il y a rien à faire en haut, je viens avec toi. Mais si on est pour farmer là, on doit passer deux provinces. Ah oui d'accord. Ah ouais, non, mais j'ai la seule mine que je trouve de assez grosse, enfin, où il reste assez de ressources, c'est assez loin. Hein. Hmm. Ouais, d'ailleurs, il y a la possibilité d'améliorer pas les routes. Alors, juste, non. Je dépose un truc. La map, elle est pas changeable en vrai. Enfin, tu peux pas changer les bâtiments qui sont déjà sur la map. Et les mines, ah, c'est con. Les mines, il faut du pétrole pour que. Ouais, pour qu'elles fonctionnent. Bah tu prends un camion citerne, tu le fous à côté et tu recharges la truc de temps en temps. C'est quoi ça? Ouais. Attends, ça c'est la raffinerie, c'est juste je dépose le salvage et compagnie. Limite hein. Oui, limite. Ah ouais. Limite on peut faire je sais pas tout ça. Ouais, si. Allez hop. Ah, quel gâchis de ressources à gauche. Ah oui, effectivement, les... Même... Est-ce qu'il y a des trucs dans cette bunker phase? On pourrait aller à ce speed rock pour mettre notre spawn là-bas. Ouais, pas. Oh putain, il y a du... Attends, tu voulais aller voir s'il y avait du stock? Non, mais j'ai vu. Depuis la route, en fait, je pense que si on extrait autant, je pense qu'on a beaucoup trop de logisticiens. Enfin, on a plus de logisticiens que d'actuelles personnes qui peuvent tirer. Ce serait bien, en vrai, mais il n'y a pas, en fait, il n'y a pas assez de monde qui amène le matos. Ah. Et ça, tu penses? Pourtant, je pense. Ça marche comme ça, c'est trop bien. Moi. C'est là. Mais c'est trop bien, ce machin. Là ça va être à gauche. Ouais normalement. Ah on devra aller mettre la prendre derrière. Ah oui je vois le truc de sulfure que tu veux avoir. C'est à Rich, c'est ça? Merde t'es parti. Non t'es pas parti. Ah merde! Tu me jamais en dessous!
Quoi, je suis considéré comme étant en combat, ça? Mais non, mais viens, Fab, si t'arrives pas à monter dans l'extérieur, là, il y a un escalier pour sortir de le trancher. Ah merde, ah non, il marche pas. Ah si, bah, faut s'accroupir, ouais. Putain, c'est considéré comme étant au combat, ça. Putain, je savais pas qu'on va se faire écraser par les trucs. Bon, il était déjà posé. Mais non. Merde. Eh, la guerre nous attend, sérieux. Bien. Sans mon frère d'armes. Si on trouve des mecs, on les enrôle dans les squads. C'est pas possible. Attends, je... Non, y'a pas de... Y'a rien dans ça. Y'a un en enfer, bon, je récupère un matos sans faute, pour l'instant. Reaching Trail, que je respawn, du coup. C'est le seul endroit où je pourrais respawn. Non, pas ici. Non, tu fais retour une région où tu respawns trop tard. Tu respawns là où on était. Ok, bah tu me diras où est-ce qu'on est précisément, quoi. Trop bien. Oh ouais, le pont il est assez grand en plus. Oh, il y a un camion. Oui, il y a deux camions. Grand. Ouais, attends, je vais devant. Vas-y, monte. Putain, la mort de merde, toi. Il a encore jamais conduit, du coup. Eh ben, bon courage. Maintiens-toi sur la droite. Là, c'est ton colonial. Je crois qu'on s'est... Attends, vas-y, on descend là. Tu peux l'écraser? Non, mais là, c'est mort. Cherche pas. Passe pas là. Vas-y, on descend. Vas-y, descend. Alors on déploie à Amour. T'es où, Amour? Tu l'as vu? Attends, laisse-moi passer. J'ai plus de vie. Spade, ok. Attends, regarde ça. Il m'attend. Bon, je fais pas de la cul. J'ai récupéré ton matos, hein, donc tu as pas besoin d'aller en... Ah putain, il y a trop de joueurs dans Moor. Ah, je suis blessé. C'est pas grave, ça. Il y a trop de joueurs dans The Moor. Il nous faudrait des soignants. Salut les gars, vous savez où il y a des médecins? C'est trop bien leur camion pour farm. Bon, bah les gars, ça sert à rien de farm le salvage. Médecin, hein. Médecin? Un médecin? Les mecs, ils ferment comme des porcs. Médecin? Je retiens bien. Est-ce qu'il y a un médecin? Appelle ouais, Médic, ça sert à rien. Médic! Ah, on peut mourir noyé. Ouais, d'accord, ok, très bien. Oui, bah, j'ai un zone d'entraînement, donc en somme, on s'en fout. Dépêche de respawn, je peux pas déloquer ton. Je peux pas, il y a trop de monde dans le The Moor. What the? Non, désolé. Je suis en queue là. Tu vas mourir? Parce que c'est pas si grave, hein, si tu meurs, tu sais, hein. Medic! Ah oui, bah moi aussi j'ai très mal, mais bon, hein, je me plains pas, hein. La chance. Medic? Merci, monsieur le médecin. Non, medic. Ah, super, medic. On est là pour faire la guerre. On est le casse-pipe de la 12ème religion. Régiment. Il y a un bâtiment à prendre en face. Vous êtes prêts à faire une charge? À la limite. On va faire une charge sur le bâtiment en face. Chargez. Tu l'as? Oui. Je trouve une barque qui n'a plus d'essence. Bon, sinon, le logo c'est très sympathique qu'on doit attendre 2 minutes. Enfin, qu'on doit attendre que 2 joueurs quittent la logo. Ils y sont toujours. Du coup, je pense que je spawn ailleurs que. Un marteau. Que dans The Splade en fait. Sur la puce récupérer ton camion. Ouais, mais dans The Moor, il y a trop de joueurs. À Paris, c'est... Ah, je sais pas, trouver un endroit où il y a personne, en fait. Ouais, je vais voir, je vais revenir et je vais voir pour me débrouiller.
même de déploiement. Mais Fab, tu te mets devant la maison qui tire. Et bah du coup je vais nettoyer au truc de sulfure. Mais ouais, on est en train de le récupérer. Ouais, c'était un truc de sulfure. Bah c'est à The Reach, non, le truc de sulfure. Non mais la maison qui tire, elle tire automatiquement, ça sert à rien d'essayer de la prendre, Fab. Et comment on la casse, comment on en... Donc, détruire d'abord, et ensuite on pourra la prendre. Et comment on la détruit? Quoi? Putain, y a trop de monde à Stone Cradle. Mais ouais, là, il est dès lors qu'il sert à rien. Ah, je vais pouvoir être médic. Du coup, t'as spawn où, chef? Non, je pensais spawn à l'autre truc, là où il y a le truc, mais il y a le sulfure, mais ça marche pas. Il y a trop de monde, du coup, bah, je respawn à Spadol. Le Spade. Vois Stone Cradle, mais y a du c'est à Spade. Je suis à Spade. Spade? Ouais, je suis à Spade. Ok, bah attends, je vais venir. Pour les récupérer un camion. Et du coup, okay, je reviens au truc de. Je suis devenu médic, je fais une formation de 5 secondes. Ah, mais ça, médic, c'est simple en vrai. Faut juste que tu saches utiliser les 3 items. Ouais, attends, je soigne tout le monde. Eh, mais les gars, il y a des machines pour récolter le salvage. Oh là là! On a des camions de récolte. Ouais, j'ai vu ça. C'est trop beau. Voilà. Ah, c'est là. Allez, on va au front. Y a-t-il des blessés par ici? Je vais voir si ton camion est parti ou pas. Bah, je vais voir si je pourrais déjà récupérer mon stuff déjà. Enfin, une partie de mon stuff. Ouais, je te l'enverrai là. Je l'ai sur moi. Pas pratique pour nous. Mais du coup, ces tranchées là, elles ont été aussi construites par des joueurs ou pas? Non, celles-là, elles sont de base. Ouais, c'est ça. C'est des trucs anti-char. Tu fous un camion dedans, tu peux pas le récupérer. Avec une grue, quoi, en gros. Du coup, est-ce que ça peut être toujours ton camion? Non, bon, tant pis. Attends, bah je vais voir s'il y a encore mon stuff. Non, je l'ai sur moi. Ah, tu l'as sur moi, toi? Mec, je pense qu'on peut avancer parce que c'est un foxhole. Attends, je vais te le redonner. Bon, moi, je reviens à pied, mais j'ai pris des grenades avec moi. Ah, attends, je veux quoi? Tiens, ton stuff. Ah. Je ne sais pas. Parfait. Y a-t-il des gens qui ont des grenades ici? Oui, moi j'en ai, j'arrive. Merde, attends, on m'a tué. Non, mais je parlais autour de moi là. C'est la première fois que je fais un aller-retour aussi vite avec une benne. Là, à ce point soigne. Bah, les machines de récolte, c'est tellement plus simple. C'est vrai. Fort de la 700 de la 716e division d'infanterie, qu'est-ce que ça fout là, c'est dire? Non, laisse tomber, c'est des mecs qui ont fait des une base pour eux. Une base RP entre guillemets. Oui, mais voilà, on est d'accord. Si vous voulez faire une base, allez au front. Bah à la limite, bah faudrait qu'on se trouve à la limite on va l'appeler la base de Casse-Noisette. Ah non, mais moi je m'en fous, mec, y aura pas de base. Moi je suis logique. J'ai pas envie de faire une base perso. Ouais, le camion là s'est fait détruire par les potes. Non, mais c'est pas une base perso qu'on fera, mais dans le sens où on fera une. Un truc du génie quoi. Enfin, pas un truc du génie, mais un avant-poste avancé qu'on aura à la base, genre casse-noisette. Ça sert à rien, mec, on a une. Il faut détruire la maison, hein, parce que sinon on arrivera, on fera jamais les gens. Alors. Ah okay, c'est la queue. Tu as un fumigène? Tu as un fumigène, Salvador? Tu as un fumigène, Salvador? Bon ben voilà. Quoi? Mais non, mais il y a un mec qui dit oui, des fumigènes.
les fumigènes contre la maison, ça empêche de les bottes de tirer. Je lui dis, tu as un fumigène, mec? Non. Bon, ben voilà. Vraiment, les gens sont terribles parfois. Tu moches pas trop près. C'est bon. Mais il fait trop mal la maison. Les gens, bah, il faut des grenades et un lance-roquettes pour niquer les maisons. Il y en a sur mon corps, il y a des grenades dans mon corps. Non, mais je te parle pas. Alors. Ouh, de la. Pas ce qui m'intéresse, il y avait des bandages, du coup c'est sympa, merci. Oh le con. Mmh. Oh non. Quoi? Ah putain. Et quoi? Non rien, j'ai fait de la merde. J'ai le stockpile dans la. Non, toi tu fais. Non. Enfin il fait pas ça. D'ailleurs, vous avez vu des dirigements d'artillerie ou de comment ça s'appelle? Ah non, mais tout le monde fait tout en fait. Ouais, mais justement, vous avez vu des artilleurs ou des. Oui, j'en ai mortiers. Vu qui nous tirent dessus. Ouais, mais alliés. Oui, c'est ce que je dis. Ah, d'accord. Mais c'est les meilleurs artilleurs du monde s'ils vous tirent dessus. On est un peu bloqué, hein. Bloqué à cause d'une maison de merde. Ramène des grenades. Mais des grenades simples, ça marche? Il faut des mammons. Ah, les grenades simples. Des grosses grenades. HE. Non, c'est des grenades A3. Mmh. Je sais pas ce que c'est. Monsieur, c'est pourquoi ravitaillement? Ok, sur la gauche, ça sera plus simple. Les usines peuvent être détruites et réparées ou pas? Qui bloque absolument tout le monde, c'est chiant. Monsieur, c'est pour aller au fond? Comment? Ouais, merci bien, ça me fait plaisir. Ah, je rigole. Okay. Tiens, excuse-moi. Bonne journée. Tac. Il y a deux maisons qui bloquent tout le monde. Je cherche s'il y a un endroit où on peut aller pour récolter. Récolter du scrap. Enfin, scrap, soufre, beaucoup de composants aussi. Alors, on est à Zemmour. Ouais, peu importe dans le coin, enfin le plus proche. Alors, 0, 0, 0. Ah! Bah, il y a. Oui, il y a un truc juste à côté de The Cut. Ah, même juste à côté de la ville, même juste à côté de là où on est, il y a un champ de. Siège, s'il te plaît, et bouger le camion parce que je peux plus rentrer dedans. Et je suis côté conducteur passager pourtant. Oui, mais change de, rentre et change de siège. Ah, d'accord, c'est comment pour changer Z? Z. Voilà, et bouge vers le camion vers la droite un petit peu. Merci. Tu peux changer de siège. Ah, mais merde, j'aurais dû reprendre Z. Ceux-là, on gêne le passage. T'as dit le truc des côtés? Ouais, il y a un truc vraiment juste à côté là, genre. Ouais, c'est ça, à Hogman, il y a un truc de récolte. Genre littéralement tout droit.
Elle est juste là à droite. Mais je sais. Ouais, c'est parti. Putain, il y a quelqu'un qui a pété la boîte. Et on casse les ressources avec le sledgehammer, c'est ça. Ouais. Avec plaisir. Responsable. Non, mais il faut attendre que l'artillerie fasse l'office. Tu prends par celui que parce qu'elle fera son boulot. Quoi? Non, rien, il a dit qu'il a presque un mode de l'édit parce qu'il voulait pas à droite. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Les intervalles restent pas vidéo, hein. J'attends juste. Ah oui. Non mais ça sert à rien, il n'y a pas d'essence. Les containers là, on peut les prendre ou vous avez... Ouais, je pense. Bah, il y en a 4 de libre alors. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, 3 fois. Je sais pas. C'est pas moi. Parce que s'il est pas utilisé, ça serait bien de le délog quoi. Bah, attends, je pose. Attends. Ah, t'as une wrench? Ouais. Et oui, on est les meilleurs, voyons. Toujours. Habitude des bonnes vieilles méthodes. Ah putain, il a été locké par il y a pas longtemps, je sais pas. C'est chiant ça. J'ai mis des ressources dans mon conteneur, mais j'ai. Mais elle s'affiche pas. J'ai mis des ressources dans le conteneur, mais elle s'affiche pas. Normal. Attendez, si vous allez taper des gens, moi je viens avec vous. Faut que. Ça, hein. Celui que t'as posé. Ah, non, tu fais clic droit et submit all stockpile. Ça les fout tous dedans. Hein. Mais d'accord, sinon, ça te procure beaucoup de trucs. On va les recharger après. Ah bah, il y a l'un de ces véhicules de farm. Avec plaisir. Les ressources, elles respawn au bout d'un moment ou pas? Ouais, elles respawn au bout d'un moment. Heureusement. Elles spawn en continu tant que la mine est pas à sec quand tu... Je crois que tu es bloqué. C'est une mine, ça? Ouais, apparemment, il y en a qui vont venir le chercher. Ah, donc tant que c'est pas tombé à zéro, ça respawn, quoi, c'est ça? Ouais. Mais on est dans la mer, il y a quand même pas mal de trucs qui sont à zéro. Bah, j'ai l'impression qu'il y a du farm en masse là. Mmh. Chevalier connard. Oui. Le seul et unique. Le jeu qui a refusé de t'accorder. La boîte avec tous les marteaux là, vous en avez fait quoi? Il a cassé apparemment. Ouais, elle était cassée. Là, je revenais avec du binat. Mais tous les marteaux qui étaient par terre, vous les laissez, c'est ça? Mais ces boîtes là, je crois qu'il y a des pop. Non. Les boîtes en bois? Dépôt de pas si elle est comment dire. Pleine. Proche comment dire de la base. Si elle est plus de 80 mètres de la base, oui, mais là. On est en plein dans la haut de la safe house, donc non, c'est. Tu vois, chaque aberry avec ton gros truc. Ah, bah, oui, c'est comme, plutôt conne. C'est un peu comme le système capitaliste, tu vois. Tu viens déranger les honnêtes travailleurs pour plus de productivité. Et ça, d'accord, c'est, je suis bien d'accord. C'est complètement Babylone, mec. Bah, allez, faire du component avec ces conneries. Descendez de vos camions, qu'on voit la gueule que vous avez. Les Babyloniens, là. Oh. Allez, révolte. Révolte. Il va se calmer, va se calmer. C'est la grève. Je te souviens que Jack te regarde depuis là-haut. Je sais pas qui c'est. Moi, je travaille pour Monsieur Propre.
Ne me mangez pas. Non, non, c'est bon, apparemment. Il y a des conteneurs qui sont pas genre pleins. Ouais, le dernier. Il y en a, on peut... S'il y en a qui peut prendre le flatbed et aller vider les conteneurs, là... Qui est-ce qui remplit les conteneurs comme ça? Tu sais, faut pas voir la vie toujours sous l'angle de la productivité, man. Qui c'est qui s'est fait stockpile des items? Dépêchez-vous de miner, les gars, avant que Chakaberry rase tout le système, là. Avec sa machine de Babylone. Non, Zephilou! Non! C'est à moi! Comment ça se fait qu'il reste encore 154 mais que ça repop pas là? On mine trop vite? Oui. On mine beaucoup trop vite. Non, non, là on mine trop vite. Non mais il parle d'ici, on mine trop vite. Dis-moi qui est de lock. Putain, qui c'est qui a pas de lock ce camion? J'en ai marre de des gens qui déloquent pas les putains de camions. Je suis tenté d'appuyer sur l'accélérateur. Venez déloque ce camion plat là. Arrête, qu'il a résiste à la tentation, chacun. Pas parce que t'as succombé une fois qu'il faut continuer. Non. Arrête. Ok, je prends celui de gauche. Ah, ça repop les gars, regardez. Mère nature nous renvoie ces arbres à métaux. On peut tuer plus de gens. Ils sont tous pleins, ça a rien formé. Du coup, bah, je me reste. Ah non, bah non, c'est moi, je suis déposé ma merde. Enfin, il en reste un, mais. Faut des locks, ce putain de camion. Putain, quelqu'un a lock. Bah, j'ai une wanch. Oui, moi aussi, t'inquiète, mais c'est juste que faut le délock. Mais. Je suis pas sûr qu'il faudrait avancer parce que là, il y a une chenillette en fait. Ah, des corseux camion là, tu veux te débloquer. Chenillette qui nous fonce dessus. Raymond, oh déloque ton camion pour qu'on décharge. Non mais on prépare un convoi, on en a besoin. Okay. C'est pas moi. Oh oui, une bête d'enfant. Je te décharge, je te recharge derrière. Il n'y a pas le camter en la porte là où tu l'as vidé. À la raffinerie, tu fous tout dedans. Enfin, tu mets tout en... Tu cliques tout en sulfure. Ah, on convertit tout en sulfure, quoi. Ah, ouais, c'est lock. C'est lock. Enfin, en explosif. C'est là que je peux pas rentrer dedans. Attends. Viens, faut que tu te décharges. Attends, il y a une caisse qui vient d'être ouverte. Je me suis déchargé. Ah bon. Tu peux nous filer un coup de main, mon camion il est plein, donc je mette mon rami quelque part, bouge pas. Attends. Tu as le lock? Ou t'as peur que je te vole la pelleteuse collective? Ah, il peut pas ouvrir son camion, Kiko. Hein. Il a acquis le camion plat qui est de l'autre côté de la route? C'est Locke. Celui qui est de l'autre côté, je peux pas l'atteindre. Attention. Ah bah ils nous ont démonté. Il y a plein de trucs là, faut les éviter. Faut les envoyer. Ah bah attends. Enfin, je vais le bouger. On a un flatbed à côté là avec un conteneur vide. Nico, ouvre. On peut mettre du vide. Ah mais attends, y'a un truc derrière. Faut que tu le déloques. Merci. Il a été claim le véhicule, on peut rien faire avec. C'est sans doute des mecs qui avaient peur que leur équipe s'en serve pour gagner. Ouais.
C'est chiant. Allez, viens. Enfin, où est tout gros, c'est bien. Ah, c'est Locke. Ah oui, désolé. Je suis Locke au cas où qu'on nous balance, mais... Oh putain, des croisements comme ça. Je déteste ce complet. Carlos, on en est où? Ah mais putain, mais Ah, j'ai apparu ici, moi. Et j'avais bien réassigné Baba, ça. Bon, ça va faire une heure de logis à peu près. Ah, c'est long. Long et chiant. Ouais. Ouais, je pensais voir plus de la logie, mais ça prend beaucoup de temps en fait la logie. Ah bah après, tu peux faire de la logie comme ça, du transport de matériel. Bah ça te dit, on transporte du matériel vers le front. Ouais, bah c'est ça, putain. Alors par contre, les mecs, ils savent pas conduire leur camtar. Mm-hmm. Attends, va falloir attendre que l'autre finisse. T'en es où, Berlioz? Non, mais moi je suis mort. Et du coup? Et du coup, bah j'ai réapparu. On apporte du stuff au front, mais. Vous êtes où, vous? Je suis pas là. Enfin, je suis. Il y a l'autre unité, et moi je suis à Lodge. Quoi? Amener du matos si tu veux, si tu veux aller au front. Ouais, justement, je vais aller au front là pour le risque qui reste. Bah je décharge ça, on met la benne quelque part et je te... Enfin on met la benne sur un champ de minage et je vais te prendre du matos. Et du coup Berlioz et vous êtes où? Moi je suis je vais à Lockheed. Ouais, moi je suis à Lockheed et on attaque ce Stalcab. Ça se passe. Ouais mais dans quelle région? Marbanolo, Deadlands, milieu droit. Ouais, Marbanolo. Ouais, Marbanolo. Vous êtes à Lockheed, c'est ça? Ouais, Lockheed. Ouais. Ok. Bon, on ira jusqu'à vers Lockheed. Faut que j'essende du véhicule? Non, c'est bon. Ok. Et après, si vous voulez, on peut faire du partisanat, genre vers Loggerhead. Vers Loggerhead, là, au niveau de Linger, je sais qu'il y a un petit. Quoi? Non, un mec qui me gêne, là. Bouge! Je disais donc, au niveau de Loggerhead, à Linger, si vous aimez bien dedans, je sais qu'il y a des fortifications par là au niveau du pont. Vu que j'ai fait une. Vu que c'est pareil que j'avais fait ma guérilla solo. Il n'y avait pas grand monde la dernière fois que j'ai passé par là. Donc je pense qu'il y a moyen de bien les faire chier, de préparer en trio un assaut à nous trois sur le sauce basse. Ah, on peut même recruter du monde facilement. Hein. Ce qu'il faut, c'est surtout avoir un médecin avec nous. Ouais, enfin, on a plus besoin d'hommes sur le front qu'en partisan, je pense. À moins pour faire sauter des ponts. Mais bon, ça en verra ce week-end. Ouais, notamment pour le plan casse-noisette. Avec le plan casse-couille. Bah justement. Alors, où est-ce qu'on a un truc? Oula. Partisan. Il y a des partisans à The Cord, pardon. À The Cord 16-0. 0. Est-ce que j'ai le phonon? Un phonon, 0. Il y en a 200. Est-ce que du storage? Ah oui, on pourra ramener une tankette. Donc, ok. Ah, il y a des partisans apparemment au niveau de The Cord ennemi. Partisans ennemis au niveau de The Cord. Deux secondes, je bouge. Merci. Du coup, on fera du. Ok. Une mine et je vais chercher un tank.
Non, c'est pas par là. Tout droit. On ira la porter où du coup le tank? On verra, mais je pense la porter vers l'ouest, vu que c'est la merde. Vers The Orbacher Isle? Plus là où on était au front cet après-midi. Ça me parle pas. La zone de Posterif. Enfin, à côté. Faudrait que je récupère du carburant. Tu pourrais pas voir pour me déposer avant vers Lockhead, là vers là où ils sont quoi, que je les rejoigne quoi. Vous êtes où, Moi je suis à Lockhead. Attends, j'avais dit. Marban Hollow. Moi je suis à Lost Stat Cap. Lost Stat Cap. Ouais. Du carbone. C'est. Ouais, c'est même du carbone en fait. Et c'est où le scrap-tab, quoi? Oh, mais non, mais qu'est-ce qu'ils ont branlé avec les camions plats? Oh, putain. Le pont est trop petit. Deux secondes, je prends juste du carbu. Là, vous êtes okay. Où oui. On sort de... The Moor, on est dans The Moor. On est dans The Moor, ouais, on est en train de sortir. Au centre de The Moor, même, là, en fait. Pas du... Mais moi, je vais aller faire un set. Si. Ah, il y a un camion. Ok. Bah, les couilles, même si c'est pas le bon. Un camter reste un camter. Pour l'usine, on s'en fout. Et du coup, vous avez fait quoi en farm? On a farmé du scrap, mais ça farme beaucoup trop vite pour suivre. Ok, ouais, donc on va reculer. Ça sera quoi le scrap? Bah, le salvage. Pour le bismat, c'est pour la base, quoi. Ah, fort, tu traînes un peu plus en logis, Fabien. J'ai encore rien, ça. Bah, je peux te dire que c'est une expérience spéciale, parce que tu vas très vite te faire écraser comme une pauvre merde. Ouais, si tu sais pas... Les piétons ne sont pas prioritaires en ville. Voilà. Les piétons ne sont jamais prioritaires, d'ailleurs, sauf sur le front. Hein. Et encore. Ouais, c'est vrai, t'as pas eu de bol. Oui, et encore, des fois, tu peux te faire écraser par une moto qui arrive sur le front en plein combat. Bon, moi, je reviens de tard. À tout à l'heure. Oh putain, on a ici. Hop, il fait des allers-retours, c'est. Alors. Du coup, on va vers où, malheureusement, ça? Là, je vais déposer mon truc à une mine de salvage qui est vers l'ouest de Moor. Ah, c'est belle, ouais. J'ai récupéré le tank qui est dans le storage dans la ville qu'on va passer à côté. Ok. Après, on descend. Merci. Autant être utile partout. En fait, je pense que l'un de nos problèmes, entre guillemets, c'est le fait qu'on a trop de logisticiens en haut, à l'arrière. Et pas assez de soldats sur le front. Je pense qu'on ferme trop vite maintenant et qu'il n'y a personne qui amène le matos. C'est surtout ça le problème. Aussi. Il y a des farmers, mais il n'y a pas de matos et certains utilisent le matos pour faire de la merde. Mmh. Ils l'envoient dans des endroits inutiles. Like les trucs à l'arrière. J'espère qu'il y a une putain de grue dans la zone.
Ouais, c'est moyen. Faut récupérer la caisse qui est par terre, sinon elle va despawn. Je suis pas sûr que vous soyez très très précis là. Plein de savage encore. Putain, mais ça va. Mais non, mais les gars, ça mine à une vitesse chez nous. Putain, oui, c'est impressionnant. Bon, les gars, il y a une. La mine. Les mines, elles durent pas 10 minutes. Les fils de salvage, tout ce que tu veux, ça dure pas 10 minutes maintenant. Trop de monde. En fait, je pense que tout le monde du coup doit penser qu'il y a manque de ressources, du coup ils vont miner. Le problème, c'est que les ressources, elles s'épuisent du coup tellement vite que bah il y a plus rien. En fait, il va y avoir très plus rien. Je peux vous donner les coordonnées si vous voulez. Deux. Non, oui, ben, je vais faire de l'artillerie. Putain, oui, non, d'accord, je suis con. Distance 60 mètres, azimut 18. Alors, le camtar, amenez-moi ça. Tout ferait peser. Tant pis si quelqu'un voulait l'utiliser, je m'en fous. Ça, ah, il y avait qu'un seul tank. Il y avait qu'un seul tank. Ouais. Par contre, il n'y a pas de carbu. Est-ce que je peux le replier? Voilà. Donc, on l'amener full. Mais ça, ce genre, c'est pas tank juste anti-infanterie, anti-personnel. Oui, c'est toujours en tank. Distance 100 mètres, azimut 7. Ça, tu vois, ça écrase l'ennemi, ça détruit les tranchées, ça fait tout ce que tu veux. Et ça tire. Je pense que c'est le plus important. Le plus important, c'est que ça tue. Voilà, c'est ça. Confirmé. Et le plus important, c'est que ça rentre sur le camion. C'est vrai. Ah, parce qu'il y a des véhicules qui peuvent pas rentrer sur le camion. Bah, j'ai genre, un autre camion ne rentre pas sur le camion. C'est vrai. Alors, du coup... ouais, mais... vous êtes sûr que ça a tiré? Berlou, vous êtes dans quel coin? Lockhead. Ah ouais, il est dans Lockhead, il me semble. Putain, Lockhead, c'est bon. Bah, je comprends pas. C'est bon, Lockhead. Déjà, après, tu veux pas que je t'amène à l'ouest? Mais y'a personne à l'ouest. Y'a du matos à l'ouest. Bon, bah d'accord, je vais faire ma guérilla à l'ouest. Je vais me faire chier dans les îles de merde là. C'est la merde, Posterus. Super, je vais me faire chier dans les îles de merde. Je vais péter les culs là. Je vais reprendre toutes les îles à moi tout seul, tout le temps que je vais te vénère. Non, tu vas te faire péter le cul, je pense. Ouais, ça va être plus ça, mon avis. Normalement, ils ont de la 762, enfin j'espère. Regarde s'ils ont de la 762 dans les entrepôts. Ouais, y'a. Y'a. Les problèmes de logistique, les bouchons. Ok, donc je me permets de cacher encore la map pour voir les commentaires. En campement. On va te cacher le live plutôt. Pendant le trajet, tu peux regarder les commentaires. Hein. Si on a. Non, c'est un petit live. Je pense pas qu'il y aura grand monde, ni même qu'il y aura des ennemis entre guillemets qui regarderont le live. Ah, par contre, ce que je. Jamais, tu sais, ça peut être un viewer qui est colonial. Les probas. Ah, le serveur est trop full, là, on veut aller. Oh putain, sérieusement.
Bon, on dirait qu'on va pas aller là. Bah... Je retente. Non. Bon, bah, je vais tomber autre part. T'as de la chance. Ouais. Puis même, de toute façon, c'était pas une bonne idée parce qu'il y a beaucoup de partisans sur la route. Ouais, mais c'est pas sur notre route. Quand même, c'est assez proche. C'est assez proche, j'ai envie de dire. Ah, ce qu'on peut faire. Non, bah non, 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 vaut mieux. J'ai l'impression que ça s'en occupe. Vaut mieux pas qu'on. Tu sais quoi? Je vais t'envoyer vers. First Coin? First Coin? Ouais, ça m'a l'air sympathique. C'est où ça? First Coin. Ah, ouais, d'accord. C'est ici donc, à côté de la Grove. Et de toute façon, une base qu'on a. La même, mais ça a pas l'air d'être très non plus très sympathique dans le coin. Ah bah, aucun fond n'a l'air sympathique. Hein. Mais là, mais venez à Lokid, on peut faire. Ouais, mais malheureusement, je vais pas me bouger jusque là-bas. Loin, Lokid. Mais vous êtes où? The Moor. Tu crois que je vais me faire chier jusqu'à Lokid? Bah, oui. Bah, non. Même avec un tank sur le dos, non? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un tank à Lokid? Quelle indignité. Les gars, vous avez presque deux fronts en un. Bah, quoi? C'est un miracle qui s'est passé en 4 jours. Nous, on gagne au moins. C'est bon, Lokid, ils sont là depuis le début. Hein. Lokid, et après, t'as The Salt Caps. Ouais, ouais, moi, je sais, mais je sais même pas si le front qui est à côté de Salt Caps, il tape Lokid hein, parce que moi, la dernière fois, j'y suis allé, il y avait personne. Non, mais c'est très actif à notre région. J'ai essayé de faire un partisan derrière Lokid, de l'autre côté de Lokid, putain. Je me suis fait juste démonter par des maisons. Fais-moi signe si on trouve un véhicule abandonné, des fois que. Ouais, si tu veux. Bon, tu n'as pas intérêt à me dire que merci, c'est plein. Hein. Non, c'est bon. Mais je pense que la meilleure stratégie en tant que partisan, c'est genre foncer dans les ennemis, buter les connards que tu croises au pistolet, récupérer leur stuff, avec un peu de chance, ils auront du 7,62. Ah bah alors là, faut être sur la ligne de front. Hein. Ah non, mais je t'assure, tu regarderas la rediff que j'ai faite, mais dans la live précédente, c'est comme ça s'est passé. Genre, ouais. j'avais triché avec un fusil avec un 62. Dans l'idée, le premier ennemi que je bute, il me donne un 7,62, le second une mitraillette. Et pourtant, je suis dans la ligne ennemie. Hein. Nous, le premier AMG, mec, pour te dire, on était au spawn, genre dans la ligne arrière, il y avait un mec qui était sur un pont, mais genre, dernière ligne. Enfin, les provinces, c'est plus loin. Hein. Mmh. Ouais, on se fait bien repousser là. Comme ça. Il y a un camion et une mitrailleuse. Ah oui, celui-là. Un half track. Un camion avec une mitrailleuse droit devant, hein, faites attention. Mais non, mais je te dis, on est à The Salt Caps, là au front, monsieur. Oui, non, mais c'est un half track le machin. C'est leur nouveau joujou en ce moment. Oui, oui, je crois que c'est ça, oui. C'est un blindé avec la 12-7 dessus. Oui, 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 c'est ça. Tous des tours de guet, j'imagine que c'est des tours de sniper pour les IA. Non, 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 c'est juste des tours de guet. Ça fait juste de la vision sur la map. D'accord. Si tu veux faire du snipe, c'est des foxholes pour les IA. Ah, d'accord.
Donc tous les Foxholes sont des IA quoi. Et des snipers non. De IA. Non, tu peux rentrer dedans, mais souvent les Foxholes peuvent te faire l'IA tout seul. Là, je crois qu'ils se sont fait démonter. Ah non, ils arrivent derrière. Okay. Ah, un camtar. Ouais. Je vais voir si je peux y aller. Attends, regarde si. Attends, bouge pas le véhicule. D'accord, on peut se casser la gueule si tu descends le véhicule pendant qu'il est en marche. Attends. C'est si il y a du matos dedans, surtout du truc pour le feu. Alors ? Ah, bah oui. Ramène le front. Bah je vais ramener à loquette du coup. Ouais, y'a du carbu dedans moi. Ouais. Oh, putain, mais on m'a défoncé quoi. Ouais, y'a du carbu. J'en ai marre. Loquette, du coup, si tu veux, c'est le pont à gauche. Ouais. C'était ici que le chemin s'arrête. Dans 40 secondes. Ouais, y'a du ravitaillement dedans. Ouais, y'a du ravitaillement. Y'a du. Il y a du bimat, il y a un peu de carbu, il y a un peu de lune, ça va. Il y a un peu de merde dedans, quoi, mais c'est toujours ça. Y en a juste après. De quoi? Juste après, il y a un carbu. Là, il y a un camion citerne. Au croisement, là. Juste devant vous. Bah, du coup, j'ai avec un peu de ravitaillement, Berlioz, sur le front. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, moi, parce que. Quoi? Mais j'arrive à peine que tu vas me quitter. Mais je ne sais pas, après. Tu veux, on peut faire une opération. Bah justement, j'arrive pour toi. Oh là là, quel homme. J'arrive pour toi, ma boy, et toi, tu m'abandonnes. Bah, tu arrives où? Là, je suis à Outreach Watch, je suis donc à The Limit of Mercy. The Limit of Mercy. Attends, ouais, bah non. Va dans la zone. Je vais aller à Calan Passas. Après Marchand Mallow et après ce sera bon. Marchand Mallow. Attends, t'es où? Là, je suis à The Lean of Mercy et les Calan Passage. Juste au nord de la province. Et après Marchand Mallow dans la province où tu es. Calan Passage, ok. Marchand Mallow, ok. Les partisans? Les gars, vous avez joué dans le coin? Il y a 10 partisans sur le pont. Ah bah oui, juste derrière. Non, rien, c'est bon. Je sais pas, je venais du pont là derrière, mais j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe, je pense pas avoir vu des partisans. Pourquoi? Ouais, mais elle était là. Ah merde, je parlais dans l'île. Elle a été là récemment. Mais j'ai pense pas avoir vu de partisans. Ok, ça marche. Vous avez de la doucette? Je vais vers Loked. Je l'ai rempli de carburant, il est plein. Tu vas vers Loked. Le kid. Ah merde. Ah. Un marchand de ballon. Construire des bâtiments, genre des raffineries et compagnie. Tu veux pas? Marban Hollow. Marban Hollow. Attends, tu parles de ceux qui sont détruits là? Non. Ou tu parles d'en faire des nouveaux? Nouveaux. Ah, tu veux pas? J'y vais. Pur. Ok. Bon, moi je suis à Maiden's Vale, si tu veux. Maiden's... Ouais, mais ça fait moins long à parcourir. Ouais, ok. Bah, ouais, je vais voir si je peux vous en ramener. Par contre, évitez de lock les grues, parce que quand on arrive avec leur artillerie ou des canons. Donc... Ouais, bah normalement, quand c'est comme ça, elle bouge pas du coin. Hein. Enfin, je pense. Perso, ça m'est jamais arrivé de dégager une grue d'un.
Moi je sais pas. Ok. Bah pour l'instant j'ai juste ça, après je peux ramener les munitions pour ça si tu veux. Bah ça apparemment vous en avez pas de la 762. Il y a des mecs qui s'entretuent. Ok bah je reviens avec alors. 762 je crois. Ouais je crois que c'est ça qu'il y a dedans. Ah non, ouais enfin 732 je sais plus. D'accord, donc c'est très mauvaise idée de passer par la neige avec un véhicule. Ok. Ouais, 792. Ah putain, quel con. Non, mais il y a des tanks, enfin, ça va tellement vite. Là, tu joues tank ? Non, 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 je déplaçais juste le tank pour pouvoir repartir. Je t'attends, chef. J'arrive comme je peux. Par contre, je vais prendre un peu de temps. Hein. T'imagines bien que c'est pas instant quoi, la traversée du monde. Mon pêche GDG il nous a saucé avec la découverte de ce jeu là. Oh, ouais, si on a surtout enculé les Anglais. Ouais. Maintenant, c'est do you speak. Est-ce que tu parles français ? Ah, mais dans le live 1, dans le live 2, c'est ça. Dans le live 1, par contre. Dans le live 1, il y a encore des Anglais qui subsistent. Ah, ouais. Non, mais justement, on colonise les Britanniques en fait. Ah, la 792. Ah, si, ils en ont plein de la 792, ils en ont 500. Oh non, un camion plein, moi. Ils vont voir. Un camion plein de tout ce qu'ils veulent. Et ils sont bien là où je suis, hein. Ils sont bien, c'est-à-dire ? Bah, ils ont du matos, hein. Oui. Beaucoup de matos. Oh, là, je comprends jamais pourquoi ils ont de l'iron, mais quoi. C'est chiant de ce. Il y a une touche pour le klaxon, d'ailleurs, sur les véhicules ou pas ? Quoi ? Comment ? Il y a une touche de klaxon sur les véhicules ou pas, d'ailleurs ? Clic gauche. Hein ? Quand t'es pas tireur, ou autre. Enfin, quand t'es conducteur, quoi, seulement. Bah, ça a du sens. Allez, un petit peu d'idolie pour me rebooster là. Ici, ce qu'il leur faut, c'est des tanks. Quoique ici, ils ont pas mal de tanks. Il y a quand même pas mal de véhicules endommagés sur la route, dites-moi. Ouais, oui, t'inquiète. Ça, c'est connu partout. T'en es où, chef ? Là, je vais arriver dans votre région bientôt. Quelques minutes. Enfin, quelques secondes plus tôt. Oh là là. Mais t'es où, Malronce ? Moi, je suis... Attends, laisse-moi 3 secondes. Je suis à The First Coin. Et il y a un mec qui dirige les OP. C'est où ça, The First Coin? À gauche de l'Octide. Un peu de l'autre côté de Calans, je crois.
first point. Entre le front ouest et le front de Calans. Ah oui, je vois. Si tu veux, chèvre, on y va. Mais putain, mais j'ai de faire le chemin inverse. Bon, restez là où vous êtes. Tu vas me chercher, puis on rejoint Malon. Enfin, pas de soucis. Mais tu te gueules. Parce que t'as fait ton stream sur la route. Voilà. Déjà, tu voulais pas que je l'emmène à Posterus? À Posterus? Non mais faut comprendre quoi, il y a des guet-apens qui se font là-bas. On s'en fout, on roule dedans. Oui, on roule dedans dans un guet-apens où dans lequel il y a très certainement des mines de poser. Donc t'es à la Maiden Valley, c'est ça? Maiden Valley? Maiden Vale? Moi, oui, je suis à Maiden Vale. Ok, bah j'y arrive. Je suis dans la région. Putain, les gens ils farment deux tanks en un jour. Putain. Bon, deux tanks en un jour. Maintenant. Je vais être dans la ville. J'arrive du côté de l'hôpital. Je suis devant l'hôtel de ville. Là, il doit être à côté de l'hôpital, je pense. C'est genre ça, quoi, là. Hôpital, ouais, ça, je suis à côté de l'hôpital. Et Town Hall, c'est ça, d'accord. Le tank mortier, là? Ouais, mortier. J'ai 21h30. La route doit avoir été longue. Ok, bah je suis devant l'hôtel de ville aussi. De Maiden Vale, hein. On oui, parle de l'hôtel. Ah, salut. Alors avant tout, je vais quitter pour pouvoir remettre mon spawn ici. Voilà. On spawn à nouveau ici. Alors on va où? On retourne là où t'étais. Oui, si tu veux. T'as une prévention sur les armes que je devrais prendre ou pas? Non, pas spécialement. Dans ce cas, je vais prendre un petit SO-7-62. 3 tanks mortiers. Là où je suis. 3. Voilà, j'ai pris un petit 7-62. Il y a quoi? Ah oui, d'accord, il y a pas mal d'essence et de 14 mm. Il y a aussi des matériaux raffinés et de quoi faire des fortifications aussi. Alors. Attends, c'est nul ce que j'écoute. Il va falloir procéder à quelques améliorations dans la musique là, parce que c'est pas possible, madame la juge. D'ailleurs, est-ce que tu sais si la route vers l'Ocade elle est sûre ou pas? Ouais. Ok. Ouais, allez. B, il y a des véhicules ici. Ah, c'est parfait, justement.
bah je voulais, j'allais chercher justement quelqu'un du ravitaillement. Tu ravitailles de quoi et tout? Alors fais gaffe aussi, il y a du. Ah bah, ouais, du soin, des munitions, ils ont besoin de tout. Et tu remontes tout au nord là? Non, non, là je vais au sud après. Mais ça va prendre un moment, donc j'y retourne. Ouais. Alors j'en ravitaille. Mais tu ravitailles. Tu te ravitailles. Ah voilà. Ça c'est bien. Y a plus d'ennemis dans la zone, du coup on peut y aller, moi c'est sûr. Non, mais c'est sûr là, hein, c'est... Parfait. Enfin, fais gaffe, faut pas trop t'approcher des bâtiments non plus, hein, parce que on les a pas tous détruits, mais bon. Là tu vas à droite. Vas-y. Par là? Ouais, pourquoi pas? Plus. La prochaine à droite, normalement. À droite, pas à gauche? N'y va pas. Tout droit, continue tout droit. Non, à gauche, à droite là. Droite? Bah oui, quand même, faut tourner au bout d'un moment, je te dis. Mais. Voilà. Ça, c'est quoi je vais faire? Au prochain rond-point, prenez la deuxième sortie. On a du ravitaillement aussi. Est-ce que c'est plus clair? Facile, char avec la sortie. Vas-y. Ce véhicule-là est de ravitaillement. Ravitaillement pour qui? Pour quelle base? J'ai décidé de la porter vers Lockhead, donc vers ici quoi. Non, faut aller plus loin. Là c'est Lockhead abandonné, c'est la frontière qu'on a pris en éclair. Faut que tu ailles dans cette direction. Tu suis la route et après tu vas vers la droite et tu fais gaffe, il y a encore des maisons qui tirent des fois. Donc... Je vais vers The Old Jagtar, c'est ça? Il n'y a plus d'ennemis à pied, il n'y a plus de délire. The Old Jagtar, c'est ça la direction? Non, attends, tu vas où? Il est là-bas, mon gars. Le pont de Lockhead, il est à nord-ouest. T'as déjà passé le pont, là. Ah, putain, ils sont deux. Le front, il faut que je retourne vers le Lockhead Breaker. Moi, je te dis, Vazol de Jagtar. Exact. Si on traverse le pont, ce sera à gauche sur la map. D'accord, donc il faut qu'on retourne vers Lockhead Breaker et qu'on se dépose le ravitaillement par là. Tu prends la route, tu fais demi-tour, tu prends la route en face de moi là, et au croisement tu tournes à gauche. On retourne en arrière donc. Il y a une mini-base, passe pas à la frontière, demande à la mini-base à gauche qu'est-ce qui se passe. Parce que moi quand j'y suis allé à la frontière ça tirait dans tous les sens. Donc je vais pas être un peu idiot mais je récapitule. Donc je retourne en arrière, je vais à Lockhead. Je traverse le pont de Lockhead Breaker, c'est ça? Non, pas du tout, t'y es pas. Arrête, non, je reste à Lockhead, du coup. Le croisement de la route, le carrefour. Ouais. Tu vas tout droit jusqu'au prochain carrefour. Et après, tu vas à gauche. En fait, il veut nous envoyer vers The Salt Caps. Salt Caps. Ah, d'accord, oui, là où c'est attaqué. Tu putain, oui, d'accord. Oui, je vois maintenant, je vois. Ok. Je vois. Ok. Putain, il y a tellement d'artillerie. Bonne route, les gars. Merci. Bon, bah, du coup, on fait un petit demi-tour. Moi, je suis pas sûr que c'était la meilleure chose du monde parce qu'on est dans une de ces merdes pas possibles là-bas, mais c'est pas grave. Bon, on aurait dû être tellement. Voilà, on a dû être tellement déposé en plus, donc bon. Autant qu'il servait à quelque chose. Ah, attends, il y a des méchants là? Ah, mais c'est des ennemis! Ah, il a endommagé le véhicule. Bon, bah, descends! Saute dans la tranchée! On a refait demi-tour qu'on s'est déjà fait aller. On se casse! Par là! On se casse! Attends, j'arrive pas. Il y avait quoi dans le camion? Du pétrole, du calibre lourd. Putain,
Non, il va pas comme ça là. Bon, y'a rien, c'est bon. Il y a aussi des matériaux basiques. Non, mais ça c'est rien, c'est rien du tout, vraiment. Bien, on continue. Enfin, tu es où? La tranchée bizarre là. Ah, juste là. Viens là, continue. Alors, juste. Non, mais il fait nuit en plus. Te mets pas au milieu de la route. C'est une très mauvaise idée. J'ai appris de mes dépens. Et je m'y continue quand même. Ouais, tu persistes. Ouais, l'erreur est humaine, j'en suis une. Comment faire ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah d'accord, je pense qu'il y a un problème de front. On attend pour se déployer. Oula, mais pourquoi on est autant à attendre ? Il y a eu une demande de bimat, mais bon, 32 joueurs, on va mettre 20 ans. Hein. Un peu plus loin au nord, il y a une embuscade de partisans. Prenez du bimat sur vous dans le camion là. Apparemment, ça demande du bimat ici. Je peux y aller. Hein. Je pense qu'il y a ça à débloquer. T'es où, Berlioz? T'es passé à côté? Ouais, je suis passé du coup loading map. Je peux passer. Il est pas lock. Ah non, je peux pas. Je suis en stand-by. Ah si, c'est bon, je peux passer. Ça va te faire passer normalement. Du coup, je suis passé. Oh, ah. Au bancard. Non, mais là, je sais. Je sais, quelqu'un des bandages. Point tout de suite, ça devrait être la première pierre. C'est ici le bimat. Let's go. Hey. Libre, c'est pas libre. Médic! Il est où le truc pour cette le spawn? Il y a un marteau que t'avais déjà normalement. Est-ce que vous pouvez pousser au bas? Ouais, mais au moins ce qu'on lui a mis, c'est un bon. Besoin d'un médecin? Je l'amène sur le front directement. Il y a quand même d'artillerie, ils sont pas lock. Tu sais si on avait de l'artillerie, la crème? Pardon? Tu sais si on avait de l'artillerie? Ouais, je sais me servir de l'artillerie. Mais ils sont pas mal dedans. Non, mais est-ce qu'on en avait là? Parce qu'on en a vraiment besoin. Bah y'en a à l'arrière. Ok. T'es où Berlioz? Je t'ai perdu. Bah j'ai pas regardé s'il y avait des munitions, mais la logique de base. Ber. Berlioz. Allô. Médic. Allo, Berlioz? Moi je suis au front là, je suis devant le pont. Enfin, c'est pas le pont, c'est un passage plutôt. Attends, quoi, t'es déjà au pont? Ouais. Putain, d'accord, t'as pas attendu. Du coup, entre les tranchées. Tu fais. C'est toujours avec l'appel, c'est trench machin là. T'as une tranchée spéciale. Non, mais c'est tranchée en diagonale. Et quoi? Tranchée en diagonale. Oui. C'est ça, c'est des liens pour trancher en fait. Donc tu es sur le pont. Enfin, je suis pas sur le pont, je suis un peu à côté quand même. Je suis pas un inconscient. Je te vois aussi. Reste pas devant la mitrailleuse. J'ai ramené une pelle et du basic matériel. Oui, d'accord. Il m'en faudrait, moi, pour faire une porte. Attends, je te pose ça là.
Merci. Bon, faut qu'ils ne détruisent pas ma tranchée, mais... Après, tranchée, c'est pas ce qu'il y a de mieux. J'ai un défaut de sol, quand même. Rien. Tu veux un contournement ou pas, Berlioz? Oh non, on tente rien, hein. Vraiment? Bah, on peut pas. Pour ceux qui construisent, il y a du basique qui est arrivé en premier. Mais on peut pas passer par la gauche ou par la droite? Genre le longeant de la rivière? Ouais, mais il y a des... Il y a des repères. Et des fortifications tout le long? Ouais, ouais. Comment on fait pour ouvrir une porte? En train de le faire, t'inquiète. On s'en va. T'as un mouru? Ah non, c'est bon. Si je peux le faire tomber par terre. Les câbles, les gars, sont. Allez! Ils vont pas le faire! Faut les gazer, ces bâtards. C'est comme des juifs. Ah ouais. Y'a un mec qui a la sortie, faut les gazer, ces bâtards, c'est comme des juifs. Oui, d'accord, j'ai d'accord. On était d'accord sur ça, quoi. On peut traverser, là. Ouais, on peut, ah non. Mais Ah non, y'a... On va avancer plus loin. Ah, putain, je suis... Mais putain, il me focus. Je me suis fait focus, super. Probable. Ah, oh, putain, je me suis fait focus aussi. Ah, oh, mais vas-y, c'était une idée de merde. Tu t'es fait ken? Je vais mourir, oh non. Là je pense pour le coup de main. J'aime bien celle-là. Sur moi, mais... Ah non, pas de 62, non. C'est une idée de merde, chevalier. Je vois pas de quoi tu parles, moi je suis encore en vie. Le champ d'explosion de mine, elles ont une grande portée ou pas? Par contre, il va faire du 7,92. Les mines ont une grande portée ou pas, niveau explosion? Oui, il faut vraiment marcher dessus. Je vais en ramener. Qui veut quoi? Je ramène des mines. Les trous de renard des IA, comment ça se passe pour les détruire? Non, mais tu les détruis à la grenade. Enfin, il faut les. On peut buter le caca à l'intérieur ou il faut les détruire à la grenade? Non, tu peux pas. Il faut les détruire en eux-mêmes. D'accord, c'est ça. Faut taper dessus. Putain, ces fils de pute. Putain, les snipers, enfin les IA dans les foxholes. Elles ont une portée vénère. Ah non, mais les foxholes, mec, ça pète, hein. Ouais. Faut pas croire, hein. Ouais, je te crois bien. En même temps, c'est ça que porte le nom du jeu, quoi. Là, pour dire, là, je suis, j'ai contourné toute la rivière, là, je suis pratiquement derrière celle 4. C'est magnifique. Je regardais pas parce que je pensais être mort, mais on m'a sauvé. Okay, donc ça, là-bas, c'est la mort. Je regardais pas, toujours. L'espoir n'est jamais vain. Ouais. Faites tout péter. Ah, je saigne, je vais mourir. Et puis deux snipers au même endroit. Ah, mais là,
Putain, en vrai, si tu spams les foxholes, y a moyen que tu fasses ton chieur, quoi, en fait. Ouais, après, un tank, c'est fini, quoi, mais comme on n'a pas de tank... Bon, est-ce que je fais le fouet et que je prends 6 chargeurs de 792? Ouais, allez. Cela, on a un beau front. Louche. Vas-y, vas-y, pose-le. Oui, moi, ça va pas être timide de jeu. Ça aurait été moins intense que la dernière par session. Et alors, spawn. Assign it point. Ah, on était au-dessus là, vous. Ils étaient pas contents. Ouais, ils ont balancé au moins 30 grenades. Mais bon, malheureusement, il a fini par exploser le bateau. C'était... Ouais, mais c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon, c'est le leur. On voulait le ravitailler pour pouvoir exploser le hôtel de ville, mais on l'a pas vu. Ouais, on a essayé de pilonner l'hôtel de ville. Ouais, on aurait dû direct check, c'est bon. En tout cas, je sais comment couper des arbres. Ah, c'est comment? Alors, Thierry. Vas-y, pose-le. Putain, là, je sais, les gars, ils marquent, ils spamment tellement les barbelés qu'on peut même plus passer vers le front. Munition. .762. J'ai du médic si il tombe. Quoi, on peut pas voler les véhicules ennemis? Si, mais faut que tu les déloques. Ouais, mais du coup, avec une. Et de toute façon, faut que t'arrives à passer après. Ouais, j'avais récupéré un véhicule ennemi, mais. J'avais pas trop le débloquer, je me suis juste mort à cause de ça. Putain, y'a toujours un mec là. Hein. Ah putain, il m'a foutu un coup dans la gueule. Avec plaisir. Petit soldat. Oh mon dieu, un tank! La situation va se débloquer. Un tank allié? Je suis pas sûr qu'avancer trop serait à votre avantage étant donné qu'ils ont un magnifique canon qui vous attend. Hein. Faudrait qu'il y ait un assaut d'infanterie pour détruire le canon en question. J'ai fait ce que j'ai pu. En soignant, j'ai fait ce que j'ai pu. Enfin, en soignant, en crevant. Oh merde, j'ai pas fait mon spawn. Quel coup. Je veux toujours de cette mon spawn quand je vais au fond. Munition.
Me revoilà. Alors, vous attaquez où? Alors, eux ils sont à Locked Id et moi je suis à Fort Scone et c'est très beau. Ça avance pas, mais c'est très beau. Y'a quoi y'a pas en face? Ah non. Je dirais qu'il y a un canon de DCA et un canon anti-char aussi, ah non, d'après ce que j'entends. De toute façon, okay, moi je vais arrêter là. Machine, elle est là. Vas-y, mets sur 50. Distance 50. Mais Locked Id, on l'avait déjà. Ils nous vont attaquer. Ah, on a pas non, de, justement, on l'a repris. Enfin, on l'a pris tout simplement. Ok. On l'a jamais eu en Locked Id. Ah, ça aurait été bien qu'il y ait le pont. Enfin, on avait le pont, on a tonné le pont. Là, putain. Putain, là, j'ai tranché qui ont été construits dans quelques instants. Merci, merci, merci. Oh, oh ouais, l'offensive. Tu t'es fait descendre? Ça se capte, oh, c'est magnifique. Quoi? Magic. De quoi? Oh, il y a une offensive dans le sud. Oh, magnifique. Où? Drone Bay. Un petit peu, là, ça se capte. Je te heal en dessous. Je peux, attends, je peux pas. On avance. Dégaine ton arme. On avance. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, on se fait taper à l'arrière. Ah ouais, on se fait taper. J'ai plus de blood. Merde. On se fait taper dans le mousse. Ah, je vais le couper. Et il m'en restait et... un. Si oh, percé. On va les couper de leur ravitaillement. Lost Herschel tout à l'est. On est devant leur. Leur. Campement. Vous êtes où, vous, vers le jeu de ça? On est devant, on est à The Sad Cap. Ouais, au niveau du pont. D'ailleurs, Berlioz, j'ai remarqué, mais si tu longes le truc à gauche, alors tu vas vers la Pitfall River, et que tu vas au pont, il n'y a rien. En théorie, on peut avancer là-bas. Attends, de quoi? Genre, regarde ta map, tu prends la route où on est, tu vas tout à gauche, tu vas à la rivière, et tu vas jusqu'au pont. On peut avancer jusque-là, il n'y a pas de fortification. The case in front of me, ok. Et il y a du ravitaillement. Je comprends pas les gens avec les gens qui parlent. Attends, viens, viens, viens. Alors, je disais, tu prends ta map. Ouais. Tu vas tout à gauche jusqu'à la rivière. Si tu longes la rivière comme ça et que tu arrives au pont, normalement, il n'y a aucune fortification. Il y a juste des types qui te tirent dessus à la limite, mais pas grand monde, quoi. Beaucoup moins intense qu'ici. Par contre, c'est beaucoup. Ouais, mais parce qu'il y a eu un truc, il y a une minute, enfin il y a un ping, il y a une minute, 3 ennemis warboat, watch out. Où ça, là-bas? Oh putain, on a perdu un medic. On a perdu un medic. Quelqu'un a une gaz? Pour jeter un gaz. Je peux même pas le ramener. Alors moi, je suis content que le front de Kalanz soit débloqué en fait. Enfin débloqué. Il est bougé. Il y a un truc qui nous emmerde, il nous tire dessus à tout le temps là. Oh, oh, mmh. Oh, que vois-je? Rébellion. Ah non, que vois-je, j'en ai dans la merde. C'est un achievement ça, non? Ouais, c'est ça. Libérer 25 villes. De Warden, c'est quoi ça? C'est un achievement, regarde de VN. Fais N et tu verras l'achievement en question. Les gens, vous verriez tout le monde à la frontière. Attends, t'as dit quoi? Poussez-vous, s'il vous plaît, poussez-vous, s'il vous plaît. Chef, ça veut dire quoi sur l'achievement? Faire N et regarder ça sur la map. Je l'amène là-bas. War Achievement. Sinon, ouais, ouais. Ah, mais je peux pas, je suis pas sur le. Pardon? Et pourquoi je peux pas rentrer à ce sur le stab? Il y a beaucoup de monde. Merci. Bon, j'arrive là. Je n'arrivais pas à te rejoindre. J'ai peut-être placement, moi, il y en a plus, je pense. Stand by for travel, tout ce. Il y a plus de placement à l'arrière non plus, je suis allé. Ah, il y en a plus, malheureusement. Je peux lui demander. Ça fait quoi, Capcom? Comment on monte de rang, moi? Tu vois le pont qui est en I8-3? Ouais, ouais, j'ai recruté. Pour me mettre de bonnes notes. Le pont en I8-3, à droite, n'est pas défendu, mais à gauche, c'est bourré de défense. Comment ils font ça? Y a un truc avec Afran. Je l'ai fait une fois. Il y avait un bateau de guerre ici, on l'a coulé. Et il y a encore deux bateaux de guerre qui viennent d'arriver. Tellement j'en avais des trucs en rang. On peut détruire un bâtiment en lui tirant dessus? Non, à la même zone seulement. C'est champ libre jusqu'au bout. De
Donc Mammon, seconde, lance-roquette. Bah en vrai on n'a pas besoin d'être énormément non plus. Je pense qu'on est 8 déjà, c'est pas mal. Mais pas avec des munitions. Attends, j'ai le wiki. Non, mais il nous faudrait surtout de l'anti-bâtiment pour niquer les foxholes le plus rapidement possible. Bah je suis médic, je peux venir si vous voulez. On a plus de HE les mecs. Moi j'ai une grenade anti, mais production de... Ah les bruits, vous avez des jumelles? Quelqu'un a des jumelles? Non. Que de jumelles? Non. Non. Entendu. Moi je peux m'occuper des véhicules si vous voulez. Enfin des véhicules qu'on peut voler quoi. Ah et il y a un tank. C'était l'idée de merde de qui ça, franchement, hein? Ouais. Filma, attends-nous! On veut monter, c'est fermé! Je vais le réparer, je vais sais le réparer. Pas, vous allez où? Prenez des marteaux qu'il y a dedans et réparez-le. Non, mais là, je me demande, franchement. Ah, les gars, j'ai trouvé la page pour le. Allez, monde. Hein. De trucs qu'il faut pour détruire les ponts. Ah ah. Vous allez faire quoi ce camion? On va le prendre et on va rouler avec pour aller les plus loin dans les doigts. C'est une douzaine de mammon. C'est des mammon, les mammon? Les mammon, c'est la grenade à feu à l'allemande. D'accord. Attention, putain, attention. 70 mammon pour faire pour détruire un double pont. D'accord, putain, c'est énorme. 93, 115. Ouais, faut y aller à l'artillerie quoi. Sinon, faut qu'on y aille à la RPG. Il me semble si on a un bon angle. Par contre, les gars, tu vois pourquoi. Berge, je vais te dire pourquoi je veux les satchels. Donc les sacs explosifs. Ouais. Un Wooden Bridge, c'est 10 mammon. 12 mammon. Mais un satchel. Ouais. Un pont en pierre standard qui fait pas passage des bateaux. 50 mammon. 2 satchels. Merci. Ça, ouais, une clé à c'est une grosse le matériel du partisan. Je sais pas c'est con de trouver leur tour. Ouais, ouais, il nous faudrait. On s'en fout, c'est. Ici, il y a masse bandage ici, masse bandage. Qui va à 12. Non, mais il nous faut clairement ça. Mais on en a c'est presque. Il faut rechercher, mais c'est super cher. Mais on pourrait. Ah, mais il y a lui. Mais on peut détruire ça le 40 minutes. Là aussi, c'est complet. Et sinon, les moins chers pour les trois pépins. Aïe, j'ai été mort écrasé. Bah, c'est malheureusement sur cette immense défaite que je vais devoir m'arrêter. Il va être déjà 22h. Faudrait que je m'arrête là, malheureusement. Ouais, on a eu un char. GG. Ouais, bah, il m'a eu le char. Il m'a eu. Il m'a écrasé. Ok. Toi qui avais deux, t'as placé des putains. Oh là là, oh putain, les Mass Factory Production, il faut pas mal de temps. Il faut 6 satchels pour détruire des Mass Factory Production, hein, gars. 162 HE. Bon, faut que je m'arrête là.